Je m'appelle Valentin Artaud, j'ai 25 ans et je suis chargé de communication au sein du groupe SEB où je travaille depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis rentré dans le monde de la communication il y a 5 ans, un peu par hasard. Je souhaitais surtout travailler dans un milieu créatif et dynamique où chaque journée aurait été différente de la précédente. J'ai toujours été passionné par plein de choses, la musique, les films, les séries, la lecture, la pop culture au sens plus large. Ce que j'ai toujours aimé dans cet univers, c'est le côté créatif et artistique. J'ai toujours été bien entouré, je me suis tourné vers la com un peu grâce à ma mère qui m'a parlé de ce domaine, je me suis lancé et ça m'a vraiment plu. Lors de mes études supérieures, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences dans différentes entreprises, dont le groupe SEB. En arrivant dans le groupe, je savais pas trop à quoi m'attendre pour mon alternance en master. Mais dès les premiers jours, j'ai été très bien accueilli, je me suis tout de suite senti à ma place grâce à Aurélie, ma tutrice, et toutes les personnes que j'ai côtoyées. J'ai pu gérer des projets stimulants où j'ai laissé libre cours à ma créativité. On m'a vraiment fait confiance, il y avait une vraie volonté de transmission, de m'apprendre le métier. J'ai aussi pu travailler sur des thématiques en lien avec la RSE, sujet qui me tient à cœur et qui fait partie de mes valeurs. Ma première expérience, elle a été très enrichissante en tant qu'alternant et c'est ce qui m'a donné envie de rester dans le groupe. Aujourd'hui, je suis en CDI et je travaille au sein du pôle culture et patrimoine avec Sandrine et Sonia. Notre mission, c'est de capitaliser sur l'histoire de nos marques et de proposer des actions de communication tout au long de l'année. Quand je repense à mes premiers souvenirs avec SEB, c'est des moments de partage autour de la fameuse cocotte minute. À l'époque, j'ai souvent entendu le célèbre slogan « SEB, c'est bien » et maintenant que j'y suis, « SEB, c'est vraiment bien ».